Tu aurais dû voir sa tête quand j'ai pris le cliché de Flo et lui se faisant des mamours sur le sofa. Tu m'écoutes? Oui, bien sûr. Tu parlais de ta maman. Frankie, tu n'as rien à voir avec ce vol, alors pourquoi tu te fais du mauvais sang? La police me suspecte. Moi, t'imagines? C'est n'importe quoi. Tu l'as volée? Il fallait que je la fasse, désolée. C'est ça. C'est ça, casse-toi! Super! Non, mais... Je suis vraiment qu'une imbécile! Quel imbécile! Ah! Belle comme tu as grandi! Oh, Adela, j'ai plus 10 ans, tu sais! Comme tu es belle! Mais non! Ah. T'es enceinte de combien? 6 mois déjà. Putain, il t'a bien mis en cloque, celui-là! On ne dit pas de gros mots. C'est pas des gros mots. Petit ange, ta maman est très pénible, mais ne lui en veux pas parce qu'elle t'aime très fort. Adela, tu vas attraper froid. Ah, non, chérie. Ça fait trop longtemps, ma petite Lulu, beaucoup trop. Je sais. C'est très loin d'ici, Paris. Je sais. Alors? Alors quoi? Comment elle va? Si mal que ça? Merde. Tu sais, je veux qu'une chose. C'est qu'elle ne souffre pas. C'est tout ce que je veux. Trop canon, ma chérie. J'ai une fille qui s'occupe de mon maquillage maintenant. Elle bossait au comptoir Lancôme à Bloomingdale. Avant que son mec la désingue. Je rêve, si je comprends bien. La vie n'est qu'un rêve, mon lapin. C'est la première chose à retenir. Moi, je me suis jamais autant éclatée de ma vie. D'abord, petite séance photo avec Robert Mapplethorpe. Ensuite, je déjeune avec Lee. Ouais, Liberace, mon chou. Je prends aussi des cours de danse particuliers avec le seul et unique Alvin Allais. Alors tu passes l'éternité avec des personnes mortes du sida. C'est mon paradis. Chacun fait ce qu'il veut. Je préfère être entourée de gens qui me comprennent. Je sais que tu n'as jamais vraiment compris qui j'étais ou ce que je traversais. Mais ce soir-là, tu m'as réellement vu. Et que mon père adoré m'accepte enfin. Ça m'a donné tout le courage dont j'avais besoin pour être moi-même. Tu manges quoi, là? Fais goûter. Tu restes pas dîner avec nous ce soir? J'ai pas le temps. J'en commanderai une autre à mon retour. Alors je vais t'attendre ici. J'en ai pas pour longtemps. Ciao, mon amour. N'oublie pas ce que t'as promis, hein. Juré. Je t'aime. Moi aussi, chérie. Bisous. Bisous. J'ai écrit Précieuse Courtoisie pour aider ma génération à se comporter plus décemment en société. Notre comportement actuel est déplorable. Je ne suis pas fière d'être une milléniale. Je ne l'étais pas non plus. On déballe tous nos vies privées sur les réseaux sociaux et nous en voyons beaucoup plus que de raison. Nous ne savons plus où sont les limites. D'ailleurs, une collègue vient d'en faire la meilleure expérience. Voilà, cette frontière ambiguë entre le travail et l'amusement. Est-ce qu'on a envie de voir nos collègues en boîte à Ibiza? Non, pas du tout. Parce que ça bouleverse la perception qu'on a d'eux. Et quelle est l'attitude appropriée? Liker leur post? Commenter leur summer body? Pitié, non. Papi Chulo, c'est quoi ça? Elles ne sont pas censées rester, tu connais les règles. Ça n'arrivera plus. Je vais faire sortir ta voiture. Oh non, c'est déjà fait. Et c'est moi qui conduis. Sydney, je refuse de brûler ton livre. Brûle-toi. Bon, écoute. Tu es ivre-mort et prétentieux, tu me donnes envie de te foutre des claques. Faut tout détruire. Il y a des gens qui bossent leur vie entière dans ce milieu dans l'unique espoir de connaître ne serait-ce qu'un instant l'estime dont on te gratifie. Et toi, tu veux tout foutre en l'air? Compte pas sur moi. Thank you.